Un peu de sérieux. Qui fait ça? J'en ai trop mis. Qui m'a envoyé? Nani? Qui m'a envoyé? Par contre, c'est trop long pour moi. Il va falloir utiliser la chirurgie, madame. Hey! J'espère que vous allez bien. It's been a while. Ça fait trop longtemps déjà qu'on s'est pas retrouvé en face cam professionnellement, hein. Et en plus ça pour un haul. Vous allez me dire, mais comment t'as fait? Puisque t'as pas d'argent. Mes talents d'influenceuse. Recevoir des produits gratuits. Yeah! Yep, that's me. Merci à YesStyle d'avoir de la charité envers moi pour me permettre de travailler sur YouTube convenablement avec du matériel. Et du coup, j'ai reçu deux colis où j'ai tout foutu dedans directement. Comme ça... comme ça c'est plus pratique quoi. J'ai vu qu'on m'avait envoyé une skincare routine complète. Le reste c'est moi qui ai choisi, genre des petits accessoires, des petits trucs sympathiques. Et pour accessoiriser de futures tenues d'été, j'espère qu'on en aura un. Vous voulez je commence par quoi? Je pense qu'on va commencer d'abord par les accessoires. Parce que vraiment... vraiment, on part sur quelque chose de cute. First, j'ai acheté des chaussettes. À part mes chaussettes blanches et noires, je n'ai jamais fait de folie en termes de chaussettes. Et du coup, je voulais un peu changer. Donc là, du coup, on a un pack de 5. Est-ce que je sais compter encore? Oui, exactement. Avec des couleurs pastel pour le printemps. Puisque je suppose que l'hiver, on va le passer confiné. Elles sont longues comme ça. Ça s'appelle des chaussettes tulipes, je crois. Vraiment, ambiance printemps pour le coup. Pour le prix, je trouve que la qualité, elle est sympa à première vue. J'espère pouvoir vous poster des outfits parce que bien évidemment, comme je ne sors pas de chez moi depuis des mois, il n'y a pas beaucoup de créativité en termes d'outfits. Le deuxième article en tant qu'accessoire, alors ça... attendez. Please! Là, on part sur quelque chose de vraiment iconique. Je suis assez basique en termes de lunettes de soleil, c'est-à-dire que j'ai noir, rouge, marron, transparent. On a compris quoi. Et encore une fois, je me suis projetée pour le printemps, les beaux jours à venir. Et je me suis dit, pourquoi pas de la couleur. Du coup, je vais pas hésiter à en reprendre d'autres couleurs. Parce que vraiment, je la trouve trop sympa. C'est plus de l'accessoire visage plutôt qu'une protection solaire. C'est logique même. Passons au troisième accessoire. Ah oui, j'ai décidé également de me lancer dans la boucle d'oreille. Donc déjà, premièrement, on a cette petite paire trop trop belle. Est-ce que ça va focus? Genre c'est un cœur comme ceci et derrière c'est doré et en face c'est perlé. Je pensais pas autant les aimer, je me suis dit pourquoi pas, mais quand elles sont arrivées genre j'étais surprise de la qualité déjà. Donc vraiment je suis trop satisfaite quoi. Genre vraiment ambiance love. Et j'ai pris également une deuxième paire, là encore une fois c'était ambiance printemps. Et qui dit printemps à part pastel dit fleurs. Ça aussi c'est trop mignon s'il vous plaît. T'imagines le combo lunettes boucle d'oreille. Mais trop mimi. Et pour les boucles d'oreilles, c'est tout ce que j'ai. J'ai pris deux petites paires comme ça, mais franchement, je vais pas hésiter à reprendre des boucles d'oreilles sur YesStyle. Ensuite, je pense qu'on va... ah non, il me reste deux, trois petits trucs. J'ai pris également ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un bandana que vous mettez comme ça. Je sais pas la dex que j'ai là, parce que j'ai pas de retour caméra. Mais en gros, vous mettez comme ça. Et du coup, ça protège vos cheveux quand vous faites vos soins, en fait. C'est pratique. C'est réglable, hein. Vous pouvez faire n'importe quelle taille, comme il y a un scratch. Pour finir sur les accessoires, j'ai pris une petite trousse de toilette. Une petite trousse simple, hein. Je trouvais ça cool pour un peu stocker la skincare. Ou pendant les voyages. Ou futurs voyages. Voilà, je trouvais ça trop trop cool. Et je pensais qu'elle allait être plus grosse que ça. Voilà, quoi. Donc maintenant, petite pause, bulle. On va faire le combo. Bref, passons à la suite. J'ai pas envie que ce haul dure 20 ans non plus. Donc déjà, premier produit que j'ai en main, qu'est-ce que c'est? C'est une essence. Je vais tester ça. Bon, ça y est. Donc voilà la texture. C'est un peu une sorte de gel entre l'eau et le gel. Oh, oh. Ça s'imprègne assez rapidement et ça laisse un toucher super doux. Il y a plein de tests qui ont été faits. Ça a l'air d'être une marque un peu de pharmacie, si je puis dire. Je suis une grosse fan de la marque Purito. Purito, en fait, c'est une marque avec une bonne compo, qui n'est pas testée sur les animaux. La crème solaire, franchement, elle est géniale. Elle me laisse pas, genre, une peau grasse. Et j'ai pas eu de problème de peau cet été. Et j'ai pas eu de taches non plus. Du coup, je suppose qu'elle fonctionne très bien. J'ai décidé de tester les autres produits de cette gamme de chez Purito. Une crème, ça c'est pour le contour des yeux. Et une crème de tous les jours. Personnellement, en étant une peau mixte, Purito...
un bob, incroyable. Je vous avoue que celles-là, je les ai testées avant de vous en parler, puisque j'ai reçu deux colis et ça faisait partie du premier colis. Et elles sont géniales. La crème pour le contour des yeux, elle est super fraîche et elle s'absorbe facilement et elle est légère. Et ça, la crème pour le visage, bah pareil, genre. Ça, c'est la crème pour le visage et ça, c'est la crème pour le contour des yeux. Et vraiment, j'aime trop. Les deux, elles s'appliquent super bien et j'aime beaucoup, beaucoup. En vrai, j'ai rien à redire. Moi, j'aime beaucoup les produits quand ils font pas de réaction sur la peau, qu'ils sont légers à porter et qu'ils ont une bonne compo. Cette marque-là, du coup, j'ai rien à redire. Elle est vraiment géniale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une lotion de la marque Rovectin. ASMR. Déjà... L'odeur? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Waouh! Il y a peut-être une petite odeur de fleurs et de savon en même temps. C'est très léger. Ça pénètre très bien la peau. Bah écoutez. Ouais. Alors ça. On arrête tout. Ça les amis. Juste pour le packaging. Alors celle-là je me suis tellement retenue de pas l'ouvrir avant. Regardez. Genre c'est trop mimi. Par contre c'est trop blanc pour moi. Elle faut pas abuser. Attendez, je suis choquée là. C'est absolument pas ma couleur, hein. Ça on a capté. Mais la couvrance. Et de ce que je vois en fait, c'est que dedans c'est pas tout. Genre, il y a déjà une deuxième cushion. Et en plus de ça, on a une recharge. Mais c'est génial. Bah franchement, ça m'a donné envie de tester les fonds de teint en cushion. Putain, pourquoi c'est pas ma couleur là? Ça franchement, j'hésiterai pas du tout à l'acheter si je trouve ma couleur. Ah, c'est ça ce problème des sites asiatiques aussi. Regardez comment moi je suis mat. Ça va jamais matcher entre nous. Bon, je vais aller laver ça et j'arrive tout de suite. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors ça, c'est une crème, de ce que je comprends, pour les boutons, pour les crèmes... Pour les crèmes. Pour les peaux sensibles. Elle ressemble à ça. Elle est super épaisse. Elle a une odeur de pharmacie. Je pense qu'à l'odeur, des fois, tu captes quand un truc, il protège ta peau. Et ben ça, ça sent vraiment la crème de pharmacie mélangée à la crème solaire. Tu sens que ça va soigner. Après, je vous en donnerai des nouvelles. Et du coup, toujours made in Korea. Qu'est-ce qu'on a? Une eau aromatisée à la rosemary. Please, le packaging. C'est une formule vegan. Aromathérapie éthique, sustainable. Donc ça c'est bien pour la planète. Et tout est recyclable. Ça c'est génial. Ça sent super fort. Est-ce que vous connaissez le magasin Nature et Découverte? Ça sent le magasin Nature et Découverte. Ah, ça sent plus déjà. En fait ça sent très fort quand on le pose sur la peau. Mais dès qu'on l'applique, l'odeur s'en va presque automatiquement. Ok. Produit suivant. Là on va passer au make-up avant de passer par les produits dangereux. Là en termes de make-up, là je suis très bien. Là je suis contente parce qu'on va pouvoir d'être ça le jour où on va sortir de cette maison. Je vais tester le mascara. Donc ça c'est un mascara MAC Cara. Waouh. On dirait un packaging de gloss. Je le trouve super mignon. Donc ça c'est la teinte 1 Deep Black. Il est où mon miroir? Je vais vous dire ça tout de suite. Ça fonctionne ou pas. Franchement, c'est pile les mascaras moi dont j'ai besoin. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop le maquillage super épais sur le visage. C'est très très bien parce qu'il laisse le cil super fin. Je vais essayer de me rapprocher. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux. J'adhère, je vais m'en servir. Alors non, je vais absolument pas m'en resservir parce que je vous dis pas comment j'ai galéré pour l'enlever. Huile démaquillante, ça ne fonctionnait pas. Démaquillant pour les yeux, ça ne fonctionnait pas. J'ai frotté, j'ai pris 1500 cotons. Le produit ne s'en va pas. Je vous assure que j'ai jamais eu autant de mal à faire partir du maquillage. Donc franchement, c'est cool, hein. C'est sympa, hein. Ça fait un petit teuil naturel et tout. Mais non, non. Ensuite, on va passer... J'avais pas trop d'avis sur le make-up, sur les styles, mais franchement, là j'ai pas de regrets. C'est les meilleurs blushs. Après, j'en ai pas testé des tonnes. Hein. Celui-là, c'est la teinte RD1. J'en mets sur mon pinceau. Regardez déjà la pigmentation, s'il vous plaît. Et je vais appliquer ça. J'en ai trop mis. Qui m'a envoyé? Nani? Qui m'a envoyé? Voilà, donc du coup, pour ce blush-là, on a ça. Et maintenant je vais vous montrer l'autre. L'autre c'est mon préféré. Vraiment je suis in love. Donc celui-là c'est la teinte RD2 Dry Rose.
Il va un peu plus du coup vers le rose poudré et le violet, je dirais même. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec ces blushs, c'est qu'ils sont légèrement irisés. Ils sont pigmentés, ils coûtent pas cher, plein d'autres couleurs en plus, n'hésitez pas à checker. Ah oui, et j'ai oublié de filmer cette palette. Alors ça, c'est une palette de la marque Peach C. Du coup, je trouve que les fards, ils sont un peu fades une fois appliqués et les couleurs pas ouf, en tout cas moi pour ma carnation. Et que du coup, bah, les fards irisés n'étaient pas assez pigmentés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette palette. Là, on va passer aux choses sérieuses. L'artillerie lourde. Yesstyle a pensé à moi et du coup, à mon double menton qui grossit de plus en plus et m'a envoyé ceci et ceci. Est-ce que je devrais être vexée? Je pense pas. Il y en a un de ceux-ci que j'ai testé à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il faut le laisser 3-4 heures. Du coup, j'en ai testé un hier. Et franchement, hey, je vous assure. En testant ce truc, je me suis dit, mais ça marche pas. Franchement, je le mettais dans le sens où, vas-y, pour le crash test. Oh, par contre, je l'ai laissé 2-3 heures, pas 3-4 heures. Hein. On va pas forcer non plus. Ma peau ici, elle était flasque. Quand je l'ai enlevée, et bah ma peau, elle était... C'est bizarre, hein. Là, je vous assure, c'est bizarre. Mais elle était vraiment, on dirait que ça avait lifté. Et c'est super étrange. Je ne saurais pas expliquer. Sorcellerie. Là, il y a une flèche qui part en bas et une flèche qui part en haut pour vous expliquer qu'en fait, ça tire au niveau des... pour remonter vos pommettes et du coup, faire disparaître ce double menton. Et ben, je vous assure que c'est ce que j'ai ressenti. Et je vous mens absolument pas. Parce que je ne veux pas que ça à faire. J'ai reçu ça gratuit. Je peux dire ce que je veux. Et on m'a envoyé ça aussi. Alors, coup perfect âge. J'ai pas non plus 60 ans. Donc, je sais pas comment le prendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, en fait, là, vous avez un petit produit comme ça. Et là, vous avez le patch. Vous allez devoir coller après avoir appliqué le produit sur votre nuque. Sur votre cou. Tu l'as dit que c'est plutôt là. Du coup, c'est censé faire quoi en fait? Bah, je pense que c'est censé tonifier peut-être cette partie-là du corps qui, chez les femmes âgées, se. Voilà quoi. Mais du coup, pour en revenir à ça, ça fait extrêmement mal aux oreilles. Après l'avoir enlevé, ça m'a légèrement décollé les oreilles. C'est éphémère, bien évidemment. Vous allez pas vous retrouver avec des lunettes. Sorcellerie. Vous n'allez pas vous retrouver avec des oreilles totalement décollées en mettant ça, mais ça fait très mal aux oreilles. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un devant vous, là, maintenant. On a ce truc-là, qui se présente comme ceci, avec un film plastique ici et un tissu par là. Et en fait, quand vous enlevez le film plastique, comme ça, et ben là, vous avez une espèce de surface... un peu latex. Prends la partie genre qui est incurvée un peu. Donc du coup, voilà la dégaine que ça donne. J'ai l'impression qu'en fait, ça me... Et qu'en bas, ça me... Après, je pense pas qu'on se le dise, hein, que c'est sur du long terme. Je pense que c'est vraiment genre l'effet juste après qui fait qu'on a cet effet de lifter avec tout qui reste en place et tout. Mais sur le long terme, il va falloir utiliser la chirurgie, madame. Je pense que c'est cool, on va dire, si on a peut-être un événement très très important, qu'on a besoin d'être tiré à quatre épingles parce qu'on va être pris en photo, c'est sympa. Pourquoi pas paraître un peu plus lifté, un peu plus mince du visage. Team visage rond, double menton. Mais sinon... là, waouh, ok. Ah non, mais c'est chirurgical le truc, hein. Un peu de sérieux. Qui fait ça? Et par contre, ça sent extrêmement bon ce truc, hein. Genre, est-ce qu'il y a des gens? Je pense qu'il y en a quand même. Connaissant un minimum la société coréenne, genre c'est une société vraiment pas narcissique, mais si quand même très narcissique. Mon oreille, elle veut se barrer de mon foulard. Bon bah écoutez, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ça. La manière la plus ridicule de quitter cette vidéo, voilà. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit haul. Je commence à reprendre du poil de la bête. C'est vrai que c'était pas ouf, l'ambiance, ces derniers temps. Merci à tous. Bah, merci à tous, pourquoi? Bah, parce que vous êtes là, parce que vous me suivez depuis le début. Pour ceux qui sont là depuis le début, merci pour les nouveaux. Quand je m'absente un peu, mais que je reviens, vous êtes toujours là, franchement. En fait, c'est quelque chose de ouf de se dire que on crée des choses et qu'il y a des personnes qui apprécient, que vous êtes sensibles à ce que je crée. Ça me touche énormément, vraiment, je sais pas trop quoi dire. Là, je suis en train de taffer sur la plus grosse partie de ma vie. Décisif en fait dans ma vie, et c'est vrai que se concentrer sur l'aspect créatif des vidéos et sur le contenu, c'est un peu compliqué quand ma tête elle est totalement ailleurs. Mais si ce truc là se concrétise, purée, vous êtes pas prêts, tellement pressé de vous montrer. Anyway, je pense qu'on va finir sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve, j'espère, dans pas très longtemps. Merci pour tout. Love you all. Thank you so much. Bisous. There's a life outside I didn't know.
Same stains that were left on the cherry wall.